Bonjour à tous et bienvenue sur Benoît494 pour ce nouvel épisode de Warhammer 2. Alors, Total War bien sûr. Donc lui, il a fait tout son déplacement. Elle n'a pas encore fait son déplacement. Et justement, je suis en train de me dire que... ouais, du coup, on pourrait faire ça. Donc on va déjà aller s'occuper de Nagarit. Et ensuite on va voir ce qu'on fait avec les autres elfes là. Puisque eux ils sont de plus en plus inamicaux avec nous. Donc je crois que ça va être les suivants sur la liste. Voilà, je sais même pas pourquoi ils m'aiment pas au final. Parce que j'ai fait des traités avec tout le monde sauf avec eux, c'est ça? Mais écoute, moi si tu veux, on fait des traités, on peut faire un pacte de non-agression. Non, tu rejettes, c'est dommage, je vais t'agresser. Avec eux, on essaye de confédérer depuis je ne sais combien de tours. Donc voilà, ils veulent pas, et en plus de ça, ça se détériore, donc si on fait... Non, le culte du plaisir, non, certainement pas. Non. Donc, on va refaire ça, histoire de réaméliorer nos relations. Ce qu'on peut faire aussi, c'est peut-être lancer ce truc-là qui donne recrutement, expérience, non, c'est pas ça. Plus 2 par tour, ordre public plus 4, non, c'est pas ça. Gain d'expérience, réserve de puissance de magie, chance de succès. Il n'y avait pas un truc qui améliorait les relations avec... Ah non. Ah non, donc... Non, c'était dans les... Oui, c'était dans les skills de Tyrion. Du coup... Tyrion, lui, il récupère, donc là, il y en a pour un petit moment à récupérer. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que... on va lever le camp, on va commencer à avancer sur Nagarit. Voilà, et là, je viens de faire une boulette. Bon, c'est pas grave. On va le mettre en campement après. Ok, ici, donc, on avait dit le rituel, on le lance pas tout de suite. Échec total. Oh merde, il est mort. Ah bah j'espère que c'est pas définitif. Mais en général, un échec total, c'est une mort définitive pour le... Bon, là on va accélérer. Eux, ils font quoi du coup, la bombe du serpent là? On sait pas. J'ai pas eu le temps de... appeler les colons. Technologie recherchée. Ok, donc la techno, elle est terminée, donc on va faire ça. Voilà, ça va nous coûter 2000, mais... on va aussi, du coup, le déplacer, lui, mais de genre 50%. Tu viens là, c'est plus que 50%. D'accord. Et si tu viens là... Donc, voilà, tu vas venir te mettre là. Hop. Et tu vas te mettre en mode campement. Tac, comme ça, tu régènes. On avait la miss qui est en train d'arriver. Donc, encore quelques tours avant qu'elle arrive. Hein. De toute façon... On avait le jeune homme qui était arrivé ici, à Lauterne. Donc on en est où? 13 500. Donc si je lance... le rituel. Voilà, au prochain tour, il ne devrait me coûter que 11 250. Voilà. Ah ouais, par contre, merde. C'était mal calculé.
C'était mal calculé. Tant pis, du coup, ça va attendre. Fin du tour, tous ces gens-là sont en train de jouer. Eux, j'aimerais bien qu'ils finissent par s'attaquer entre eux, là. Parce que là, ils m'arrangent pas du tout, là. Ouais, après, je vais aller tuer ces gens-là, de toute façon. Tyrannoc, ok, vas-y, bouge. Le premier ordre. Ouais, il faut leur truc de leur côté. Voilà, ok. Alors, jeune prince impulsif, rien n'oblige le roi Phoenix à intervenir dans ses querelles. Le reprimandé en privé. Coût de recrutement plus 25, ça m'intéresse pas. Commandement moins 6. Trésorerie moins 1005. Un courtisan et moins 8 d'influence. Je crois qu'on va faire ça. Voilà. Chance de succès de l'action du héros, chance de succès d'une embuscade. D'accord. Il était tout à fait mort. Hein. Non, il revient dans 3 tours. Oh bah parfait. Bon, on lui filera à lui, je pense. Maintenant qu'on lui file à lui. Il a quoi lui? Il a quoi lui? Est-ce qu'il aurait chance de succès? Allez, voilà. Hop! Et du coup. Du coup, bah c'est. À nos persos de bouger. Donc, du coup. La mise va avancer par ici. Hop. Ici, eux. Excusez-moi, mais ça vous dérangerait de... Ah d'accord, c'est parce que eux, ils sont dans le chemin en fait. Donc ils peuvent pas passer. Voilà, ok, nous... Nos relations donc à Vellorn, ça diminue, de toute façon on va leur déclarer la guerre. Eux, ça se détériore, mais pourquoi ça se détériore tant que ça, je comprends pas. Je comprends pas. Ridiculous. Ok, bon. Action militaire, mais normalement il devrait pas. Pourquoi ça baisse? Je comprends pas. Je reçois que moins 10 alors que je reçois des 95, 62. Donc là. Ils ont des traités avec Nagarit, donc en plus de ça, ils vont m'aimer de moins en moins. Donc de toute façon, on s'en fout. On va conquérir tout le monde parce qu'après, il faudrait que quand même que j'aille défoncer ces gens-là. Là. Les elfes noirs et en particulier Nagarond. Et plus précisément Malekith et ses armées. Ça m'arrange pas, ça m'arrange pas. C'est... Croissance plus 10, revenu des ports plus 10. Ça sera parfait ça. Et du coup. Du coup, non, ça c'est bon. Tout le monde a bougé. Lui, je peux pas le faire recruter pour le moment, mais ça devrait plus tarder. Voilà. Là, il ça. Strictement rien. Ivresse qui fait rien.
encore. Oh là 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 là. C'est compliqué parce que je peux pas attaquer Nagaron tant que j'ai pas complètement pacifié ici, quoi. Parce que je peux pas prendre le risque que qu'un de ces enfoirés se décide à m'attaquer dans le dos, en fait. Donc du coup, je suis coincé. Du coup, je suis totalement coincé. Fatalement. Voilà, la missile va traverser la porte. Hop. L'autre, il est à... Parce que ça, c'est pareil, ça m'ennuie, c'est... Saratosa, quoi. Saratosa. Pourquoi Saratosa? Et à cause de ça, je peux pas commencer le rituel, parce que pour l'instant, Saratosa, je pourrais pas le protéger. Donc du coup, la missile a bougé. Amélioration de colonie disponible. Non, moi, cette colonie qui m'intéresse, ça serait... Voilà, ici, qu'on puisse faire enfin ce bâtiment-là. Voilà, du coup, je peux même faire ce bâtiment-là ici. Point de compétence non assigné. Notre mage a un point de compétence. On pourrait lui donner... Non, bah lui, on va continuer à en faire un grand mage bien bourrin. Un bon hommage qui va faire mal et fait augmenter sur le temps pour des capacités. Type dégâts directs, durée 22 secondes, ennemi 100 mètres, usage impossible si on escalade. Ok, donc il a pris son point ici, donc on récupère. Elle, elle est en train d'arriver. On est en recherche, on a notre recherche qui est en cours, tout est bien, ça défile, ça défile. Donc eux, ils font toujours rien. Donc eux là, je vais les défoncer. Ils m'énervent. Ils m'énervent. Et puis Ivresse, c'est pareil, hein. Je vais passer à l'attaque, hein, en commençant par la ville là-haut. Puisque ils veulent pas confédérer et je vous dis, je peux pas quitter. Le problème, c'est que je peux pas quitter Ultuan tant que Ultuan n'est pas sécurisé. Parce que ça risquerait de nous coûter trop cher, en fait. Donc du coup, conservation des produits de la mer. Cool, ça c'est fait. Donc du coup, seigneur non déplacé. Ok, la miss. La miss, bah parfait, elle arrive. Non mais où tu vas, où tu vas, où tu vas? J'ai pas compris ce qu'elle était en train de faire là. Donc on a encore une techno à rechercher. Avancée culturelle. Allez, c'est parti. Ça nous coûte encore 2000, mais c'est pas grave. Pour le moment, on n'est pas trop mal. Maintenant, lui, encore un tour. Et ici, notre ordre public est dans le positif partout. Ah, on peut fabriquer quelque chose ici. Oh! Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Les murs, on les a déjà faits. On pourrait faire... on pourrait faire ça. Ça augmenterait significativement... du coup, là, ah bah, je peux rien poser ici. Ce qui est parfait. Ici. On impose déjà. Et l'ordre public est bon. Calédor, l'ordre public est en train de remonter.
Sartosa, c'est impeccable. Et ici, c'est impeccable. Donc voilà, donc on y est. Donc à partir de maintenant, toi, tu vas pouvoir commencer à recruter, sauf qu'on n'a pas les thunes, donc c'est pas grave, ça attendra. Hein. Ça attendra, de toute façon, on va conquérir du territoire, là. Donc voilà, tout le monde a bougé, sauf Tyrion, mais Tyrion, on va encore le laisser régénérer un peu, parce que cette unité-là, elle a encore besoin de pas mal de régène. Voilà. Combien de tours tu dis, toi ? 4 tours avant d'être constitué. Ouais, ok. Tordranil. C'est quoi la garnison? C'est une garnison pourrie. Donc autant dire que... on va pas mettre longtemps à les exploser. Ok, fin du tour. Ça défie les Lyriens. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils font rien du tout, en fait. Ils servent à rien, tous ces alliés. Hein. Ils servent à rien, tous ces alliés. Hein. Et lui, il envoie son armée alors que moi, j'arrive. T'as trop raison. Échec, Shield a essoufflé, a bloqué l'armée. Tout ça, c'est des gens qu'on voit pas. Voilà, ok. Bon, toi, tu te remets en mode normal, parce qu'on ne veut pas que tu arrives fatigué. Et tu viens ici. Voilà, ça c'est fait. Lui, il est prêt. Il est où? Ah bah du coup, il est revenu ici, lui. Ok. Technologie recherchée, avancée culturelle, parfait. Donc toi, du coup, tu fais quoi, toi? T'es un assassin, tu fais gagner de l'argent à nos colonies. Et par contre, tu reconstitues pas encore les troupes. Ça, c'est bien dommage. Du coup, tu vas rattraper les petits copains, tu vas venir ici. Voilà, tu te dépêches. Ici. On en est où? On en est où? Réseau de pierre gardienne. Portée de déplacement de campagne, plus 10%. Chance de succès de l'action du héros, 5%. Votre faction peut voir toutes les régions maritimes. Oh. Estimable mensuel, ordre public, plus 2 dans toutes les provinces. Oh. On va faire ça à 2 tours, ça va aller vite. Amélioration disponible dans nos colonies. Parfait. Donc, ici... bah, ici, on va augmenter notre trésorerie. Ça sera déjà pas mal. Et toi, du coup, tu peux toujours pas recruter. C'est pas grave. Et du coup, on va pouvoir signer la fin de notre tour. Voilà. Ah bah oui, on n'a pas assez de sous pour faire plein de trucs. Nagarit, il est en train de sentir le vent tourner, je crois. Ouais, c'est ça, t'as raison, éloigne-toi, comme ça je vais pouvoir prendre possession de ton territoire. Il ne te restera plus qu'une porte, tu pourras plus rien faire, mon gars. Tyrannoc, eux. Eux, c'est pareil, hein, je vais être obligé de les détruire. Bon, bah nous on déclare la guerre et on attaque. C'est parti. Faction détruite, la tribu de premier ordre. Ah bah écoute. C'est triste, hein. Lui il a obtenu un point. Ok. Eh bien, mon cher ami, tu vas devenir un marcheur. Voilà, parfait. Et donc, du coup, ici, parce que c'est long, les déplacements de troupes et tout ça. Ici, toi, t'en es où?
Encore deux tours avant d'être constitué. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te laisser en repos. Et on va prendre son armée à elle. Et on va... Ah bah attendez. Hop, amélioration de colonie. On peut. Ça nous coûte cher, mais on peut. Et donc, diplomatie. Nagarit. Alors, cher ami de Nagarit, voilà, je te fais une proposition. Soit tu rejoins la Confédération, tu as rejeté, tu as fait une grosse erreur. Et appeler les alliés, non, ça sert à rien vu qu'ils servent à rien. Donc, bim. Voilà. Et du coup, mademoiselle, on va s'attaquer à ça. Voilà. On défonce tout le monde. Voilà. Et on va que ça. Oh, mais c'est bien dommage. On pourrait raser. Non. Non, on va occuper directement. Voilà. Voilà, lui, on va le mettre en déplacement. Et du coup, comme on sera chez nous ici, il pourra régénérer Pépère. Si. Voilà. Ah, il peut pas régénérer. Si je l'approche plus près de la ville. Non, il régène pas plus que ça. Bon. Tant pis. Et donc ensuite, on va aller à s'attaquer à cette porte, la licorne. Voilà. Ok. Donc, ils sont en train de s'enquiquiner ici, de s'engluer ici. Du coup, il bloque son armée à lui, ce qui m'arrange bien. Voilà. Fin du tour. Donc là, il va être colère, lui, hein. Il va être colère. Eux, du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux, ils m'aiment pas non plus, je crois, de toute façon. Ah, du coup, maintenant, ils se décident à... Oh, lui, je le sens mal, lui. Lui, il va falloir que je le... Oh, quoique non, apparemment. Il est amical avec moi, donc ça va. Ok, on va mettre un petit peu en vitesse accélérée, là. Voilà, je voulais voir ce qui se passait un petit peu sur mon île. Mais maintenant que c'est fait, c'est fait. Festival Ordre Public plus 2, parfait. Donc, du coup, on va continuer. On va augmenter le réseau des pierres gardiennes. Voilà, portée de déplacement et tout ça, ça va être bien. Après, on s'occupera de booster encore nos armées. Toi, ici, donc, bah, du coup, en fait, tu régènes pas. Ce qui est ennuyeux. Bon, bah, du coup, tu fais ça, comme ça, tu régènes. Et là, si tout avant d'être constitué... Oh là là, il est où Ok. Donc, toi, tu viens ici. Toi, du coup. Voilà. Et donc, du coup... Gondil. Dès que tu arrives ici, tu vas reconstituer les troupes. Voilà. Ok. Eux, ils vont avoir fini leur rituel très très bientôt. Et moi, j'ai pas de sous pour contrer ça. Par contre, je dois commencer à avoir des sous pour améliorer mes cités.
Voilà, comme par exemple de faire ça. Voilà, donc dans 3 tours, je pourrais détruire ce bâtiment-là. En attendant, ce monsieur-là, il peut toujours pas recruter. Si, tu peux recruter. Donc tu vas nous prendre. Alors moi, je les aime bien. Moi. Moi, je les aime vraiment bien, ces gardes maritimes. Ils font le taf, hein. Que ce soit... Rien, hein, ils sont même plus puissants que les... que les lanciers basiques. Et en plus, ils ont des dégâts à distance. Même s'ils ont moins de portée que les archers... Les archers traditionnels, puisqu'ils ont que 165 et les autres ont 180. Franchement, ça réduit pas énormément la portée et voilà quoi, ça leur laisse. Moi, je pense qu'on va se recruter ça. On va lui recruter quelques unités de ça et on va commencer à lui donner une armée. Bon, déjà, eux, comme ça, ils servent et de lanciers et d'unités de tir. Vous en prenez 6 comme ça et c'est bon quoi. Vous avez déjà un bon morceau d'armée, quoi. Même si c'est pas suffisant, ça fait le taf. 6 comme ça, plus... vous voyez ici, là, déjà, sa compo d'armée, à elle, elle est bien, mais franchement, il y a mieux, quoi. Il y a mieux, quoi. Même ceux-là, vous les prenez avec bouclier. Mais bon, ça fait le taf en attendant. En attendant, ça fait le taf, moi je suis content. Ok, encore 2 tours pour être reconstitué. Tour avant que l'unité ne soit entièrement reconstituée. 26? Mais comment que ça se fait qu'on se prend aussi peu de régène ici? Ah d'accord, ça vient du climat. Ça vient du climat qui n'est pas du tout adapté en fait. Du coup, la régène, à mon avis, taux de reconstitution moins 15%. Vous voyez? Ok, d'accord. Là, ça va être utile d'avoir des gars qui reconstituent les armées. Ok, bon. Alors, du coup, ben, fin du tour. On a joué tout ce qu'on pouvait. Donc, on va voir ce que vont faire les autres. Donc, lui, qu'est-ce qu'il me veut? Tu veux une alliance militaire? Vas-y, j'accepte. Alors, l'agresseur est ivresse et il attaque Agraef. Et il demande à tous ses alliés de rentrer dans la guerre. Bon, bah on va accepter, hein. Ça va améliorer nos relations avec eux, je pense. Et puis au pire, on fera la paix dans leur dos avec les autres. Et puis quand ils seront bien défoncés. Ok, Xacoalt a terminé son rituel. Oh la vache, cette avance qu'ils ont. Nous, on va se retrouver dernier à cause de tous ces gens-là. Ok, je suis pas en guerre avec ces gens-là. Si, hein. Je peux peut-être leur envoyer ça. Hein. Quoique maintenant, je suis en guerre avec Nagarond aussi. Hein. Ah, mais il leur reste plus qu'un tour, donc ça vaut pas le coup. On va attendre. On va attendre. De toute façon, moi, j'ai mes propres soucis de mon côté. Héros non déplacé. Donc, toi... Voilà, tu leur voles de la technologie, du coup tu prends ceci. Et du coup on va te rajouter conduit arcanique. Voilà, parfait.
Activité du héros, succès. Ok. Donc, la fin du tour, puisque moi j'ai mes armées qui doivent encore se reconstituer. Oh la vache, ça va prendre un temps fou. On va pas avoir le temps d'attendre. Du coup, t'es où toi? Il est où lui? Bondine. Standing by. Ok, donc toi, tu viens là, en effet, et tu vas plutôt venir dans son armée à elle, en fait. Voilà. Et du coup, on va finir notre tour sur ça, et on va finir l'épisode, en fait. Du coup, eh bien, vous connaissez le refrain, n'hésitez pas à liker, à partager les vidéos, ça aide la chaîne à se faire connaître. N'hésitez pas non plus à me laisser vos conseils et commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous retrouve bien dès lundi pour la suite de nos aventures. Allez, gros bisous à tous.